Ok. Salut! Hello les amis! Je suis en train de mettre YouTube. Ok, créer un direct. Hello les amis, Jean-Marc, Patricia, il y a Sandra aussi, famille Gilles, Vanessa. Comment je vais aujourd'hui? Je vais bien. Enfin, j'essaye, hein. Je pense que je suis comme vous. En attente. On attend. Ok. Donc, Pilates aujourd'hui, les amis. J'essaie de régler, on a un petit souci sur YouTube. Je vais essayer ça. Des appels vidéo. Les appels vidéo. Ok. Donc apparemment, on a... Bonjour Samira. J'espère que vous allez bien, les amis. Vous avez passé une bonne journée. Il fait beau. On est au top. Donc on est sur Facebook. On n'a pas YouTube aujourd'hui. Cours de Pilates, les amis, on a encore une petite minute. Salut Nat. Je vais essayer. Ah, ça ne veut pas. On a un petit souci pour YouTube, les amis. Donc aujourd'hui, on sera exclusivement sur Bobok. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, les amis. On va commencer. Salut Christelle, en replay, bien sûr. Merci déjà à vous d'être là, les amis. Ça me fait énormément plaisir. Confinement, on peut quand même continuer à faire des cours, du sport. Ok, ça ne veut pas. Je resterai tout à l'heure. Je vais mettre un petit fond musical, tranquillou. Et on va commencer, ne vous inquiétez pas. Je mets la musique là. Et nous allons commencer. Donc YouTube, désolé, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On va rester sur Facebook, je resterai tout à l'heure. C'est parti les copains. Les pieds serrés, vous allez capter une fois les pointes. Une fois les talons. Donc on a les pieds largeur de hanche. Ok? Pour l'instant, on enroule les épaules, on inspire et loin derrière, on souffle. Rentrez la tête, inspirez. Poussez vers le haut et loin vers l'arrière.
je vous rappelle, le pilates, c'est un travail des muscles profonds, stabilisateur du buste, du bassin, des jambes. C'est un travail vraiment qui demande beaucoup de concentration. Et relâchez. Vous allez placer vos mains sous le nombril. On va fermer les yeux. Donc en pilates, la respiration se fait avec la poitrine. Quand tu inspires, tu gonfles ta poitrine. Et tu expires lentement par la bouche. La respiration, poitrine, sans lever les épaules, vous écartez les côtes, vous inspirez et vous expirez lentement par la bouche. Continuez. Il faut imaginer que vous avez une fermeture éclair et là vous essayez de vous redresser, la respiration vraiment hop, vers le haut et expirez. Vous allez relâcher les bras. Donc la position, on garde les jambes légèrement pliées, souples. La position du bassin, regardez le bas du dos, on aura tendance à cambrer. Nous on va relâcher le bassin, on va faire un petit mouvement vers l'avant, on souffle. Et vers l'arrière, on inspire. Toujours pareil, on gonfle la poitrine. Poussez, expirez. On réduit sa cambrure. Inspirez. Et là, on va bloquer au milieu, c'est ce qu'on appelle la neutralité du bassin. Donc, on a les jambes légèrement pliées, neutralité du bassin. Le nombril est rentré. Le périnée, le transverse engagé. Donc là, vous essayez vraiment de verrouiller, donc vous rentrez votre nombril et vous essayez de serrer les fesses, mais en profondeur. On verrouille au niveau de l'anus. Ça, c'est très important. Donc le dos est droit, et regardez, les omoplates fixe. Donc ça c'est la position pilates. Je gonfle la poitrine, j'inspire, pousse avec tes mains, souffle, éloigne tes mains. Vous relâchez, vous inspirez, vous gonflez votre poitrine. Et vous poussez avec les mains, vous soufflez. Sans lever les épaules, à inspirer. Gonflez votre poitrine, expirez, poussez avec les mains. Le nombril est rentré, n'oubliez pas, inspirez. Et vous allez lever les talons, poussez avec vos mains. Relâchez les bras, vous gonflez la poitrine. Une nouvelle fois, on souffle, on pousse avec ses petites mains. Inspirez sur la descente, posez vos talons, gonflez bien la poitrine et posez-vous la question si votre bassin est engagé et si vous avez les abdos, les fesses serrées en profondeur. Hein. On va plier les jambes, regarde, balancez vers l'arrière et je lève. L'inspiration sur la descente, poussez avec les mains, soufflez. Encore, poussez avec vos mains. L'inspiration sur la descente, l'expiration sur la montée. La dernière, gonflez la poitrine, poussez avec vos mains, levez et relâchez. Posez vos talons. Vous allez coller les talons, donc vous dessinez un V avec les pieds, d'accord? Les jambes restent souples. Donc la position, n'oubliez pas, on part toujours du bas vers le haut. Souple au niveau des genoux, nombril rentré, périnée engagé, neutralité du bassin, omoplate fixe et le regard devant, la nuque est longue. Donc là, on va juste faire des petits mouvements, regardez. On va transférer le poids du corps, on va pousser avec ses mains, on souffle et on inscrit sur la descente. Et ensuite, on change. Vous devez garder votre jambe d'appui légèrement pliée, pousser, l'inspiration sur la descente. Et l'expiration sur la montée. Entrez bien le ventre. Quand vous poussez avec les mains, vous devez garder vos épaules basses. Inspirez. Expirez. Continuez. L'inspiration sur la descente.
l'expiration sur la montée. Vous devez allonger votre dos. Pensez à votre bas du dos. Ouais. L'inspiration. La poitrine, le bassin, les genoux face. Encore. Inspirez. Expirez. La jambe sur le côté et surtout ne cambrez pas. Posez. Inspirez. Levez doucement. Levez la jambe. Vous descendez doucement et vous relâchez. Parfait. On va continuer. Allongez sur le tapis. Si vous avez de l'eau, hydratez-vous un petit peu. Donc je rappelle, on est sur Facebook, YouTube, on a un petit souci. Désolé les amis, c'est comme ça. Il y aura toujours un replay. Alors, on va continuer le travail. On va faire les abdominaux pinçants. Regarde, on est là. On descend doucement, on rentre le ventre. On freine la descente. Posez les omoplates, posez la tête. Et vous allez plier les bras. Vous ramenez les genoux vers vous, vous levez doucement les fesses au bas du dos. Et vous relâchez. On va garder les pieds posés par terre, donc les pieds largeur de hanche. On va commencer le mouvement, on va faire le handbread, ensuite le scissor, et on finira par les obliques. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement de base pour travailler les abdos. On va se concentrer un petit peu sur le bas du dos, donc on aura tendance un peu à cambrer. Nous, on va réduire la cambrure, on va garder vraiment un tout petit espace entre le bas du dos et le tapis. Si on sent que ça tire sur les lombaires, on colle ses lombaires par terre. D'accord? Vous allez lever les bras, mais sans décoller les épaules, sans remonter les épaules, pardon. Et l'objectif, ça va être de faire des petits mouvements avec les bras. Donc, il faut imaginer, vous avez des mini-ballons de basket, et vous faites 5 mouvements en inspirant. Donc là, toujours pareil, je vous fais la poitrine. Et 5 mouvements en expirant. Donc, le nombril est rentré. Pensez à votre périnée, à votre transverse. Si vous avez l'habitude, regardez, vous pouvez lever le haut du corps. Si ça tire un peu sur les cervicales, tu peux ramener une main derrière la tête pour soulager les cervicales. Ok ? C'est comme tu veux. Soit la tête est posée par terre, soit la tête est décollée. Donc n'oubliez pas, la priorité sur tous les mouvements qu'on va faire, ça va être la neutralité du bassin et le périnée engagé. Périnée, c'est abdominaux et fesses, hein. Donc je verrouille vraiment l'anus, je rentre le nombril. Encore une fois, inspirez. Expirez lentement. Et relâchez. Parfait. Posez vos mains. Donc très important, quand on fait les mouvements, on aura tendance un peu à remonter les épaules. Donc poussez bien vers le bas avec vos mains et gardez vos épaules détendues. Vous allez lever doucement les pieds. Donc cette position, elle s'appelle chaise inversée. D'accord? Les cuisses vers le haut, les jambes parallèles au sol. Donc toujours le même principe, si je sens que ça tire sur le bas du dos, je ramène les cuisses vers moi. D'accord? Donc mes bras sont détendus. Le scissor, c'est un mouvement, toujours pareil, les abdominaux, mais on va travailler aussi les muscles fléchisseurs des hanches et les quadriceps. Si vous sentez que ça tire sur le dos, regardez mon amplitude. Je m'arrête au milieu. Ok? Si ça va, on touche le sol avec la pointe de pied. Donc avant de commencer, posez vos mains, détendez vos bras. Donc les pieds et les genoux largeur de hanche. Donc là, tu as la possibilité, soit de garder une petite cambrure, soit tu ramènes les genoux vers toi. Abdominaux, fesses serrées. Inspirez. Et vous descendez doucement, vous soufflez. Prenez votre temps, c'est vraiment une jambe après l'autre. Inspiration sur la montée. Donc je gonfle la poitrine, l'expiration sur la descente. Descendez doucement. Voilà, vous remontez la jambe, vous inspirez. N'oubliez pas, hein, si vous sentez que ça tient sur le dos, vous ramenez les cuisses vers vous et vous arrêtez au milieu. Inspiration. L'expiration sur la descente. L'inspiration sur la montée. On n'a aucune tension sur les lombaires. Donc faites vraiment très attention
prenez votre temps. Soufflez sur la descente. Inspirez. Une dernière fois droite. J'inspire sur la montée. Et une dernière fois à gauche. Vous ramenez, attrapez vos jambes, ramenez doucement les cuisses à vous. Levez les fesses, le bas du dos. Ramenez les cuisses à vous. Et relâchez. Reprenez votre position, chaise inversée. Donc les mouvements, regarde. Je vais lever mes épaules, donc les bras toujours pareils, ouverts, le menton vers le haut. Et l'objectif, ça va être de tendre la jambe et de chercher la diagonale. D'accord? Je ramène, j'inspire. Et quand tu tends ta jambe gauche, tu lèves ton épaule gauche pour chercher le côté droit. Par contre, regarde, pas comme ça, hein? Bras ouverts, menton vers le haut. Donc prenez votre position, soit les mains près des oreilles, derrière la tête. On lève les épaules. Donc j'engage mon ventre, mes fesses, le périnée, le transverse. Vous inspirez. Et en soufflant, tend la jambe droite et on va chercher la diagonale avec l'épaule droite. Vous ne touchez pas votre genou. Hein. Inspirez. Changez. Soufflez. Prenez votre temps. Je gonfle la poitrine. Et j'expire un maximum d'oxygène sur la montée. Vous devez garder vos bras ouverts. Donc si tu vois tes coudes, c'est pas normal. Les bras restent ouverts et le menton dégagé de la poitrine. Inspirez. Expirez. On fait encore 4 mouvements. Prenez votre temps. J'inspire. N'oubliez pas, si vous sentez le dos, vous collez vos lombaires par terre. Je ramène, j'inspire. Une dernière fois à droite. Plus on ralentit le mouvement, plus on sent le travail en profondeur. Là, c'est vraiment les obliques. Soufflez. Et là, vous relâchez. Attrapez vos jambes. Normalement, on a dû sentir les abdos là. Ramène les cuisses vers toi. Lève les fesses. Voilà, ramène les jambes. Encore un peu. Décollez les fesses, le bas du dos. Et relâchez. Posez vos pieds par terre, tendez vos jambes. L'étirement du dos, l'étirement des abdos. Éloigne tes mains. Grandis-toi. Inspire. Et relâche. Ramenez les mains près des fesses. Vire de jambes. Prochain mouvement, on va faire le One Leg Circle. Donc c'est un travail de mobilité de la hanche. Regardez, soit je garde ma jambe pliée, si j'ai l'habitude, je peux pousser avec ma jambe en bleu. L'objectif, ça va être de faire des petits cercles avec la cuisse, la jambe, le pied en même temps. Ensuite, on change un sens. Hop. Et une fois à droite et à gauche. Donc détends tes bras. Tu as les pieds et les genoux largeur de hanche. Avant de lever, tu verrouilles ton périnée, ton transverse. Rentre le nombril. Et lève ton pied, souffle. Donc vous allez bloquer, n'oubliez pas votre jambe gauche. Elle est vraiment dans l'axe de la hanche. Soit tu gardes ta jambe pliée, soit la pointe vers le haut. Par contre, pas comme ça, hein, vraiment la verticale. Détendez vos bras, détendez la tête. Je verrouille mes abdominaux et là je commence. J'inspire et en soufflant, on va chercher vers l'intérieur. On souffle et on inspire la jambe vers l'extérieur. On doit dessiner des petits cercles avec la jambe, avec la cuisse, le pied en même temps. L'inspiration, la jambe vers l'extérieur. L'expiration, la jambe vers l'intérieur. Si vous sentez le dos, vous soulevez, vous pliez votre jambe et vous ramenez la cuisse vers vous. Ça vous permet de vraiment bien protéger le dos. Toujours pareil, en travaillant la mobilité de la hanche.
Encore deux séries. J'inspire, je gonfle la poitrine. J'expire. Une dernière fois. Vous soufflez, vous bloquez la position. Toujours avec la même jambe. On va juste changer le sens du cercle. Donc je souffle toujours ma jambe vers l'intérieur et j'inspire ma jambe vers l'extérieur. Vous essayez de ralentir votre mouvement en essayant de caler la vitesse sur la respiration. Donc regarde, je souffle, je prends mon temps et j'inspire. Voilà, continuez doucement. Posez-vous la question, est-ce que vous avez des abdos serrés? Est-ce que le nombril est rentré, le périnée engagé? L'inspiration. L'expiration. Le dernier cycle. Et là, vous relâchez. Vous allez vous sentir travail sur la hanche, sur la cuisse aussi. Hein. Détends un petit peu ta jambe. Et on change. Donc, pied à plat, les genoux largeur des hanches. Avant de lever mon pied gauche, je verrouille mon périnée. Je réduis ma cambrure. Inspirez. Soufflez, levez le pied gauche. Donc, comme tout à l'heure, soit la jambe est pliée, soit la pointe vers le haut. D'accord? Si tu sens que ça tire un peu sur le dos, tu n'hésites pas, tu plies ta jambe. Avant de commencer, je me concentre sur les muscles profonds des abdos des fesses. Je détends mes bras. Et là, c'est parti. L'inspiration, la jambe vers l'extérieur. Et on souffle un maximum d'oxygène par la bouche quand la jambe est vers l'intérieur. Prenez votre temps, les amis. Soufflez. N'oubliez pas, travail de mobilité de la hanche. Mais la base, c'est le bassin qui est placé, donc soit en neutralité, soit le bas du dos est plaqué par terre, et surtout le périnée, le transverse engagé. Prenez votre temps, encore trois cercles. Quand vous faites les mouvements avec la jambe gauche, votre jambe droite ne bouge pas. La jambe droite, elle est toujours en l'axe. Dernière. Bloquer la position, on se recentre un petit peu sur les abdos, et là on repart, mais on change de sens. Je souffle toujours ma jambe vers l'intérieur, et j'inspire ma jambe vers l'extérieur. Détendez bien vos épaules. Gardez le nombril rentré, ça va vous permettre d'engager un peu plus le périnée. Restez bien concentré. L'expiration. N'oubliez pas si ça tire sur la hanche, sur le dos, vous faites le mouvement, la jambe pliée. Le dernier cercle. Et tu relâches. Parfait. Tendez vos jambes par terre. Donc là, ça vous tire sur les hanches, sur les muscles fléchissants des hanches. C'est le One Leg Circle. Tendez vos bras, poussez avec vos mains. Inspire. Et relâche. Placez vos mains près des fesses. Prochain mouvement, Shoulder Bridge. Travail de base, on travaille pour les mollets. Derrière les cuisses et les fesses. Donc regarde, on va lever doucement, je te montre pour l'instant, en gardant vraiment cette bascule du bassin. Quand tu pousses, c'est pas avec la poitrine, c'est avec le bas du ventre. Et quand tu descends, c'est le dos, petit à petit, vertèbre par vertèbre. Ok? L'expiration sur la montée, l'inspiration sur la descente. Détendez vos bras. Donc on a les pieds à plat. Avant de commencer, tu réduis ta cambrure. Tu engages tes abdos, tes fesses, inspire, et là je bascule mon bassin, je pousse, je souffle,
pousse, 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 et descends lentement. Et quand tu descends, donc tu inspires, et tu colles le dos vertèbre par vertèbre. Expire, vous repartez lentement. L'expiration, je souffle. Le menton toujours levé, dégagez la poitrine, et les omoplates calées par terre. On aura tendance à monter un peu les épaules, détendez vos bras, et fixez les omoplates par terre. Levez les fesses, soufflez. L'inspiration sous la descente. Encore, soufflez. Vous devez bien forcer sur les talons, sur les orteils. Vous allez sentir le travail progressivement derrière les cuisses, le galbe de la fesse. Si vous sentez le dos, généralement, ça veut dire qu'on tire un peu trop avec la poitrine. S'il faut, c'est engager le bassin, regarde. Avant de lever, tu rentres le nombril, ensuite tu lèves. Le bassin hauteur des genoux, des épaules. Freinez la descente, gonflez votre poitrine. Encore une fois, expirez. Freinez la descente. Restez un petit moment en bas. Prochain mouvement, on va lever les pieds. Donc, toujours le même principe, on lève les fesses, ensuite on bloquera en haut, on fera la jambe droite, on pose. La jambe gauche, on pose et on descend. Donc reprends ta position, donc les pieds largeur de hanche, je réduis ma cambrure, périnée transverse engagé, inspire, élève les fesses, souffle. Souffle, 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 bloque en haut, détends bien tes bras, lève le pied, inspire, soit la jambe pliée, soit tu peux tendre ta jambe. Pose ton pied, souffle, tu lèves la jambe gauche, inspirez. Posez votre pied, soufflez. Et ensuite, descendez lentement, toujours pareil, vertèbre par vertèbre. Les fesses touchent le sol, je repars. Mouvement du bassin, lève les fesses. Je décolle mon pied, j'inspire. Le bassin reste toujours dans l'axe, aucune tension sur les lombaires. Posez votre pied, soufflez. Changez la jambe gauche, inspirez. Posez votre pied, soufflez. Freinez la descente, contrôlez. Je gonfle la poitrine. Et ensuite, je repars. Le bassin, je lève. Je décolle mon pied. J'inspire. Je souffle par la bouche. Je pose mon pied. Je change l'inspiration. Détendez bien vos bras. Posez votre pied. Inspirez sur la descente. On le refait encore une fois. Levez les fesses, le mouvement part du bassin. Pousse, pousse, pousse. Expire. Décolle ton pied. L'inspiration. Posez-vous la question. Le bassin est placé en neutralité. Les abdos, les fesses sont serrées, en profondeur bien sûr. Posez votre pied et on descend lentement. Parfait, relâchez. Décollez vos pieds, attrapez vos jambes et doucement vous pliez les bras. Vous ramenez les cuisses vers vous, vous décollez petit à petit les fesses, les bas du dos. Et on relâche les deux genoux. Largeur de hanche, on fait juste des petites bascules tranquillement à droite et ensuite à gauche. Prenez votre temps, concentrez sur les abdominaux, sur les fesses. Une dernière fois. Et là, tu relâches. Si on met de l'eau, on boit un petit peu. Donc là, on se redresse. Prochain mouvement, le relevé. Pareil, c'est un mouvement de base pour travailler force et mobilité, abdominaux. Donc le mouvement n'est pas compliqué. On aura soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. L'objectif, ça va être de descendre doucement. Regarde, tu souffles, tu ramènes derrière, tu inspires. Et ensuite, je rentre ma tête, je vais chercher loin. Ok ? Pour l'instant, les mains sur les genoux,
sortez la poitrine, engagez votre périnée, donc je rentre le nombril, et pour l'instant j'enroule le dos, tout doucement. Je rentre mon ventre, je garde mes mains sur les genoux, les bras tendus, la tête est rentrée. Pliez les mains, redressez-vous, inspirez, expirez, rentrez le ventre, doucement, enroulez votre dos, rentrez la tête. Donc là, tu plies tes bras, les coudes vers le bas, tu inspires, redresse-toi. Et tu expires, tu rentres ton ventre, tout doucement, encore. On va faire la descente, donc là je te laisse le choix, bien sûr. Soit les jambes pliées si on n'a pas trop l'habitude, soit les jambes tendues si on sent bien le mouvement. Donc très important, regardez, il faut imaginer une ficelle qui passe par la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Là, je me relaxe les mains à hauteur de la poitrine, les coudes légèrement ouverts, omoplate fixe. Inspirez. Et descendez doucement. Vous enroulez votre dos. Vous rentrez le ventre. Vous soufflez sur la descente. Vous posez délicatement vos omoplates, la tête, vous inspirez les bras de mer. Et vous soufflez les bras devant, loin devant. Tu remontes, tu inspires. Et tu repars, tu souffles, engage tes abdos, engage les fesses. Faites attention quand vous poussez avec les bras, n'accentuez pas la cambrure. Je me redresse doucement, j'inspire, et je repars. Si vous sentez que ça tire un petit peu quand vous redressez, vous pliez vos jambes, et ensuite on décolle un pied, regarde, tu fais comme ça, tu souffles. Ok, tu te redresses, tu inspires, tu gonfles ta poitrine, tu rentres ton ventre. Essayez de dérouiller les fesses. Quand je vous dis les fesses, c'est vraiment les muscles profonds, donc il faut imaginer. On va aller aux toilettes, et au lieu de serrer les fesses, on dérouille l'anus. Et oui, c'est la base. Donc tu rentres le nombril et tu verrouilles ton anus. On repart doucement. Soufflez sur la descente, les bras derrière, j'inspire, et les bras devant, je souffle loin devant. On se redresse, on inspire, et on va juste faire la descente, les amis, que la descente. Je ralentis, je ralentis, je freine, et je relâche. Parfait. Poussez avec vos pieds, poussez avec vos mains. Étirement du dos, des abdos. Et tu relâches. On va passer sur le côté, par ici. On va continuer. On va faire les side kicks. Donc l'objectif, ça va être de travailler côté de la cuisse, petit moyen fessier et la taille. D'accord ? La taille, ça va être un peu plus dur. Donc très important, avant de commencer, quand tu rentres la tête, tu dois voir tes pieds. Si tu ne vois pas tes pieds, ça veut dire que tes jambes sont trop vers l'arrière et donc tu vas tirer sur les lombaires. Donc là, il faut vraiment faire attention. La tête est rentrée, tu vois tes pieds, ok. Ensuite, par contre, tu redresses la tête. On va garder un petit espace entre la taille et le tapis, ok. Donc tu dois glisser ta main. Si tu plaques la taille, tu vas tirer sur tes lombaires. Soit ta main est posée devant, soit ton bras le long du corps. Avant de lever les deux pieds, je vais rouler mon bassin, donc je vais chercher ma neutralité. Tu rentres le nombril, tu serres les fesses, et ensuite tu décolles. N'allez pas trop haut, sinon vous allez perdre l'équilibre. Donc la jambe qui est par terre, on l'appelle la jambe de terre, ne bouge pas. Donc tu peux la décoller, si c'est un peu dur, tu peux la poser par terre, c'est comme tu veux. On va travailler avec la jambe de ciel, la jambe qui est au-dessus. On va faire des petits cercles comme tout à l'heure. On va en faire 6 dans un sens. 6, ensuite vers l'arrière, et on finira par des petits bâtons. Donc, concentrez-vous. Si ça tire un peu sur les cervicales, regarde. Tu plies ton bras et tu poses ta tête sur ton avant-bras. Ok ? Et là, c'est parti. Donc, je vais rouler mon périnée, mon transverse. La jambe devant, tu souffles. On fait des petits cercles. La jambe derrière, j'inspire.
Expirez. L'inspiration est vers l'arrière. Faites attention, n'allez pas trop vers l'arrière, sinon vous allez tirer sur vos lombaires. Soufflez. Je gonfle la poitrine quand ma jambe est derrière et j'expire par la bouche quand ma jambe est devant. Vous faites encore deux cercles. Soufflez. Le dernier. Le bassin est toujours bien bloqué. Stop. Toujours avec la même jambe, on va pousser vers l'arrière cette fois-ci. J'inspire et toujours pareil, la jambe devant, je souffle. Prends ton temps. Inspire, gonfle ta poitrine. Expire. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai toujours mon bassin qui est placé en neutralité? Est-ce que j'ai toujours mon périnée, mon transverse engagé? Encore deux cercles. Le bassin ne bouge pas. Donc là, on va sortir la fesse, la cuisse. Et n'oubliez pas, pour sentir la taille, vous regardez un petit espace là, entre la taille et le tapis. Vous bloquez la position. Vous allez placer votre main sur le nombril et vous allez faire des petits battements. Très important, quand vous inspirez, le nombril ne bouge pas. Ok ? On gonfle la poitrine. On fait 5 mouvements en inspirant. Serrez bien les fesses en profondeur. Hein. Et 5 mouvements en expirant. Encore. Inspirez. Si tu sens que ça tire sur le dos, tu n'hésites pas, tu avances un peu tes jambes. Hein. Et tu souffles. Une dernière fois. L'inspiration, je gonfle la poitrine. J'expire par la bouche. Et je relâche. Ça doit tirer sur le côté de la cuisse, la fesse. Vous passez sur le dos. Vous allez ramener votre cheville, donc la jambe qui vient travailler sur le genou. Donc là, on appuie un petit peu, regarde. Tu détends la fesse, la cuisse. Tu ouvres ton genou. Ensuite, on lève la tête, on va placer le bras entre les jambes. On va attraper soit la cuisse, soit le genou. Et on va tirer la fesse. Posez vos omoplates, posez bien la tête par terre. Vous verrouillez votre périnée, toujours pareil. Et vous soufflez, vous ramenez les cuisses vers vous, doucement. L'étirement de la fesse, de la cuisse. Et relâchez. On va décroiser les jambes. Hop, et on change de côté. Donc posez bien la tête, descendez vos épaules. Donc tu te souviens, hein, le bras tendu ou le bras plié, il faut garder vraiment la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Évitez d'être comme ça, sinon vous allez tirer sur les cervicales. Donc tu te souviens de ta position, la tête rentrée, tu dois avoir tes genoux, tes pieds. Ensuite tu redresses la tête, tu me regardes. On est bien sur le côté de la cuisse, on n'est pas derrière, on est trop devant. L'espace entre la taille et le tapis, très important. Bassin, périnée transverse engagée. Inspire, et là tu lèves, tu souffles. Voilà, vous levez, mais ne cherchez pas vers l'arrière. On va commencer les petits cercles. On expire la jambe devant, et on inspire la jambe derrière. Encore. La jambe devant vous souffle, la jambe derrière vous inspire. La jambe qui est par terre ne bouge pas, vous souvenez la jambe de terre. Donc soit tu la poses, soit tu la décolles, comme tu veux. Voilà, on aura toujours un côté qui est un petit peu plus facile que l'autre. On ne s'inquiète pas. Prenez votre temps, ne cherchez pas la vitesse, cherchez le contrôle. Très important. Plus on contrôle, plus on travaille les muscles profonds des fesses. Là, tu vas sentir le côté. Hein. Tu bloques la position. Avant de changer de sens, pense à ton bassin. Pense à ton périnée, ton transverse. Verrouille vraiment en profondeur l'anus. Voilà. Et là, on change. On pousse avec le pied vers l'arrière. Et le pied devant, je souffle. Donc la jambe est vraiment bien tendue. Hein.
Prenez votre temps. Vous devez toujours garder l'espace entre la taille et le tapis, donc la colonne est parallèle au sol. Faites attention, on doit sentir la fesse, la cuisse, mais pas le dos. Si tu sens le dos, pose-toi la question si ton bassin est bien placé, si tu as toujours tes abdos serrés. Vous bloquez la position, regardez, vous placez votre main sur le nombril, et là, on fait les petits battements. Donc vous inspirez, vous gonflez la poitrine, vous expirez lentement, vous soufflez. Ça va tirer là sur la fesse. Continuez. N'oubliez pas le bassin, le périnée, le transverse. Soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Je gonfle la poitrine. J'expire un maximum d'oxygène. Une dernière. Soufflez et relâchez. Parfait. Passez sur le dos. Ramenez votre cheville sur le genou. La jambe est ouverte. Regarde, tu appuies avec ta main, tu détends un peu la hanche, tu détends la fesse. Ouvre doucement. Tu relâches, tu lèves la tête. Tu lèves ton pied gauche, tu passes le bras entre les jambes et on attrape soit la cuisse, soit le genou. Inspire, expire, doucement. Relâche les omoplates. Et on va lever tout doucement les fesses. On doit sentir l'étirement sur le côté de la cuisse et le côté de la fesse. Donc là, on vient de faire les side kicks. Levez encore un peu. Et relâche. Décroisez les jambes. Écartez un tout petit peu vos jambes. Et ramenez-vous. Je verrouille mon périnée, je lève la tête, les épaules. Enroule. Et relâche. On va poser ses pieds. On va continuer. On va travailler les abdominaux. Le dos, pardon. On va faire le swimming. Mais allongé sur le ventre. Alors, regardez. On va garder les bras sur le côté. Par contre, on ne va pas monter les épaules. Hein. Ça, c'est pas bon. La position, si tu appuies avec le nombril, tu vas cambrer. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. On va appuyer avec le bas du ventre. Donc, il faut imaginer, vous avez un petit carreau de chocolat qui est placé entre le nombril et le tapis. Le petit carreau de chocolat. Donc, on essaie de garder ce petit espace. La tête, regarde. Si tu fais ça, tu vas tirer sur les cervicales. Donc c'est le menton dégagé de la poitrine, d'accord, mais la nuque longue. Et l'objectif, on va lever, en gardant toujours l'espace entre le nombril et le tapis, hein. On va lever la jambe droite et le bras gauche. On souffle et on inspire sur la descente. Et ensuite on change. N'allez pas trop haut. Pourquoi? Parce que plus on lève, plus on va tirer sur les épaules et sur les lombaires. Prenez votre temps, vous soufflez. Donc c'est jambe droite, bras gauche. Vous inspirez sur la descente et vous expirez sur la montée. Voilà. Donc je lève la jambe droite et le bras gauche. Continuez. Si vous sentez bien, vous pouvez lever les deux pieds et les deux bras en même temps. Mais toujours pareil, en gardant toujours le petit espace entre le nombril et le tapis. L'expiration sur la montée. Et l'inspiration sur la descente. On repart. N'oubliez pas le petit carreau de chocolat hein, qui est placé entre le nombril et le tapis. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. L'objectif, c'est le travail du dos, là. Et relâchez. Prenez appui. Vous allez ramener les fesses près des talons.
Poussez avec les fesses derrière et les bras devant. Il nous reste un dernier mouvement. Le push-up, les pompes. Alors, on se relaxe. Là, c'est le dernier mouvement, celui qu'on a réalisé à tous les copains. Donc, les genoux, largeur de hanche. Tu avances. Les mains. Je te laisse le choix. Soit les mains, largeur des épaules, les bras le long du corps. Regarde. Là, c'est un peu plus dur. Soit tu écartes un peu et les coudes vers l'extérieur. Ok? Là, c'est un petit peu plus facile. Alors, je prends ma position. Donc là, tu choisis. Les bras sont légèrement pliés. Donc avant de plier les bras, regardez, le bassin et la nuque est longue. Les épaules fixes. Je rentre le nombril, je déroule les fesses. Et là, c'est parti, vous soufflez sur la descente. L'expiration, vous remontez, vous inspirez. Vous gonflez la poitrine, vous rentrez le nombril et vous repartez. Soufflez. Quand vous montez, c'est une belle planche. Hein. Encore, l'expiration. Je lève et j'inspire. Encore. Allez, continuez les amis. Le dernier, ça va tirer sur les bras, sur les épaules, sur les pectoraux. Inspirez. Allez, la dernière, c'est promis. Prenez votre temps, soufflez. Vous remontez. Et vous relâchez. Parfait. Poussez avec les fesses, avancez vos mains. Tu relâches. Ramène tes mains près des genoux. Déroule ton dos. Prenez appui. Posez les pointes. Levez les genoux. Et détendez le long du corps devant. Les bras sont vers l'avant. Les jambes sont souples. Donc là, vous verrouillez vos abdos. Périnée transverse, comme d'hab. Vous pliez un peu les jambes et vous soufflez quand vous redressez. Doucement. Tranquillou. Et vous placez jambes, bassin, périnée, les omoplates et la nuque. Position pilate, vous souvenez, hein, pour vraiment sortir le périnée, s'il faut, c'est rentrer le nombril, serrer les fesses. Mais pas, hop, non, en profondeur. Inspire. Lève les talons. Pousse avec tes mains. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et relâchez. Parfait, les amis. J'espère que ça a été le pilates. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment un travail des muscles profonds. Et on va continuer. Salut Hervé, salut Marjo, Lily aussi, Simon. Bis les amis. On va faire les abdos. Je change de musique. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez bien bossé. Lily, à conduire avec une enfant. Ramenez les mains près des oreilles.
On va lever les épaules, mais dans l'axe. Regarde. Devant, pas sur le côté. Hein. Pas sur le côté. Les épaules devant. Allez, encore. Je lève. Je garde les bras ouverts et l'espace dans ton poitrine. Prépare-toi. Accélère. Et. Allez. Et on va, les amis. Soufflez. Levez. Les épaules devant. On ne cherche pas le côté. On lève les épaules devant. Hein. Continuez. 8. Toujours devant. Encore. 4. Plus que 2. Et là, on va chercher le côté, mais on accélère. Regarde. Droite. Gauche. Allez, écoutez. Là, c'est les oubliés. À droite, on inspire. Et à gauche, on souffle. Regardez les jambes. Pas trop bas, hein. À droite et à gauche. 8. 7. 5. Ok, relâche. Mini pause, les amis. Allez, les mains. Levez les pieds. Détendez vos épaules. J'avance. Détends tes bras, détends tes bras. Avancez la gauche. Encore. On va rajouter les épaules. Les devant, hein. Allez, c'est parti. Encore. Vous levez les épaules, vous soufflez et vous descendez, vous inspirez, les amis. Attention, on accélère, hop, je ramène, devant, et pousse. Gardez les bras ouverts, vous soufflez sur la montée, ça va chauffer le haut et le bas des abdos. Encore deux, et là on accélère, droite, gauche. Devant. Lève tes épaules, lève les omoplates.
celui qui arrive. Et là, c'est pas bon. Hein. Accélère un peu, ça fait. Devant, je ramène. Allez! Courage, les amis. Posez-vous la question. Périnée transverse engagée ou pas? Peut-être? Encore. Et les copains, diagonale, droite gauche. Droite gauche. Allez. Ramenez bien les jambes vers vous. Pousse à droite, pousse à gauche. Yes. Allez, encore. Ne lâche rien. 8. 7. Encore. 4. Que deux. Et relâchez. Yes! Ça commence fort, hein? Pousse avec vos mains, pousse avec vos pieds. Prochain mouvement, relevez le bassin, le bas des abdos. Ok? Soit les mains posées par terre, soit les mains derrière la tête. Regardez bien. On va lever. Et sous la descente, on avance une jambe. Bien. Souffle. Allez, encore. Doucement. Alors, la position. Soit les mains sont posées par terre. Regarde, comme ça. On s'aide un petit peu si ça tire sur le cou. Soit les mains derrière la tête. Et la tête est posée ou la tête est décollée. C'est comme tu veux. Hein. Ramène bien les jambes. Avance. Encore. La dernière. Relevez le bassin avec deux jambes en même temps. 8. Regarde. 8. Sans tendre les jambes. 7. 6. Ramène. Yes. Encore. La dernière. Relâchez. Eh les amis, j'ai une info aujourd'hui. Il y a 60% des Français qui ont pris 2,5 kg. J'espère qu'on ne fait pas partie des 65%. Hein. Et ouais, 2,5 kg. Levez. Repart. Avance. Relevez le bassin. Hein. Le bas des abdos. Allez, encore. Yes, continue. Je souffle. Pense à ta respiration, hein, toujours régulière. Encore une. Les deux jambes en même temps, relevez le bassin. Pousse. Qui fait l'habitude, lève les épaules en même temps. 4. Encore. La dernière. Relâche. Tente les jambes. Avance les pieds. Toi. Ok. Encore deux séries comme ça. Hein. Lève les pieds. Relevez le bassin. Monte. Avance la jambe. Allez. Soit tu souffles. Et quand tu tends la jambe, tu inspires. Ou le contraire. C'est comme tu veux, comme tu sens. Encore. Accélère le bassin. 8. Encore. 4. Plus que 2. La dernière. Levez bien les fesses. Hein. Relâchez. Ça chauffe un peu les abdos. Un peu. Avance, avance les pieds. Éloigne tes mains. Encore une série, les amis. Avant, chante. Unis vos jambes, soit les mains posées par terre, soit les mains derrière la tête, comme tu veux. On est prêt? Relevez le bassin lentement, je ramène et j'avance. Et monte. Voilà. Ramenez bien les jambes vers vous, levez les fesses. Hey, yeah, yeah, yeah. Deux fois.
La dernière, sans bouger les épaules, hein. Relevé le bassin, que les jambes, les deux, 8, 7, encore, plus que 2, tu relâches, bien, tends tes jambes, avance les pieds, allez, encore, encore, tu relâches, dernier effort les amis, alors, vous allez coller les deux vers par terre, soit les jambes pliées, les genoux ouverts, les jambes tendues, regarde, ramène bien, les pieds larges des épaules, et là on va alterner, droite, gauche, ok regarde, ça c'est pas bon hein, là on est bien, droite, gauche, regarde si tu as un peu cervical, main derrière la tête, hein. On n'hésite pas, qui est ça, alterne, droite, gauche, allez encore, 8, 7, les pieds écartés, dans les jambes si ça va, 4, relâchez, attrapez vos genoux, ramène vers toi, ramène vers toi, tu relâches, pose le bas du dos, deuxième série, écartez bien vos pieds, hein. Allez, c'est parti, droite, gauche, et regarde, soit les mains derrière la tête, tu alternes avec les épaules, ok, avec les coudes, si ça va, tu touches tes orteils, voire même l'extérieur du pied, comme tu veux. Allez encore, 8, 7, 4, relâche, attrape les genoux, ça chauffe un peu, hein. Allez, on prend la position, col de lombaire, serre le ventre, les pieds, les pieds, reprenez, et gauche, gauche, écartez bien les jambes. Posez-vous la question, c'est bien engagé ou pas? Et oui. Encore, 8, 7, 6, et 4 dernières, 4, 3, 2, aïe, aïe, relâchez les amis. Petit étirement. Petit. Restez ça. Ça dure 10 minutes, c'est important. Hein. Ça va, les abdos, ça chauffe un petit peu. Ça chauffe. Allez. Passez sur le dos directement. Poussez avec vos mains. Poussez avec vos pieds. Vous engagez les orteils et vous poussez avec vos mains. Encore. Et tu relâches. Ramenez les mains près des fesses. Pliez vos deux jambes. Plaque le bas du dos par terre et lève les pieds. Attrape tes genoux. Inspire. Et plie doucement les bras. Souffle. Tu ramènes les jambes vers toi. Tu lèves la tête, les épaules. Tu enroules ton dos. Encore un peu. Tu relâches. Les deux genoux serrés. Fais juste des petites bascules à droite à gauche. Doucement. On relâche. Posez votre pied gauche, tendez la jambe droite, jambe tendue, et la pointe dans le prolongement de la jambe. Pas le pied flex, non, la pointe vers le haut. Le bas du dos est plaqué par terre, on va lever la tête, les épaules, on attrape sa jambe,
inspirez. Et doucement, vous allez souffler, vous allez poser vos omoplates, vous relâchez la tête, et petit à petit, vous allez plier les bras. L'objectif, c'est d'étirer derrière la cuisse. Tu ramènes vers toi, doucement. Encore. On bloque la position. Levez la tête. Et vous ramenez le pied. Tu vas attraper, hop, les orteils. Soit tu gardes le haut du corps décollé, si tu sens tout de suite que ça tire. Si tu as l'habitude, tu peux poser tes omoplates et la tête par terre. Donc là, c'est toujours derrière la cuisse, mais le mollet aussi. Inspirez. Pliez doucement les bras. Encore. Soufflez bien. Encore un peu. Continuez. Et là, vous relâchez. Vous passez sur le côté gauche. On étire toujours la jambe droite. Tu vas attraper ton pied. Donc le pied droit. Voilà. Tu avances un peu ta jambe gauche. Tu gardes un petit espace entre la taille et le tapis. Donc tu verrouilles tes abdos. Le talon vers l'arrière. Et ensuite, tu recules ton genou. Tu souffles. Reculez bien la jambe. Abdos serrés, vous allez sentir l'étirement, ça part de la hanche, ça descend tranquillement jusqu'au niveau du genou. Par contre, vous évitez de cambrer. Reculez encore votre jambe, votre pied. Et relâchez. Parfait. Repassez sur le dos. Les deux genoux serrés. On repart sur les bascules, droite-gauche, côté. Doucement. Tu ramènes devant. Pose le pied droit. Dans ta jambe. Et n'oubliez pas la pointe vers le haut. Pied. Voilà. Pas le pied comme ça. La pointe vers le haut. On va attraper soit la cuisse, le genou, voilà, le pied, si tu te sens bien. Vous gardez le bas du dos plaqué par terre, inspirez. Vous soufflez, vous posez vos omoplates, vous posez la tête. Vous pliez lentement les bras. Et là, vous allez sentir le travail derrière la cuisse. Encore. Continuez. Lève la tête. Et cette fois-ci, le pied, regarde. Le pied comme ça, le pied clair. Ça va tirer le mollet. Si ça va, attrape ton mollet. Si tu attrapes ton mollet, attrape ton pied, pardon. Si vraiment ça va, tu peux poser les omoplates et la tête. Par contre, toujours le bas du dos plaqué par terre. Vous inspirez. Et lentement, vous pliez vos bras. Vous ramenez votre jambe. Même si on attrape son mollet, c'est pas grave, regarde, il faut vraiment garder le pied comme ça, la pointe vers le visage. Pliez doucement. Encore. Expirez bien. Une dernière fois. Soufflez. Et relâchez. Parfait. Vous allez passer sur le côté droit. Et on va étirer la cuisse gauche. Attrapez votre pied, donc pied, genou, à bord de la hanche. On va engager les abdos, donc tu réduis ta cambrure. Et doucement, tu recules ton pied. Tu recules ton genou. Vous allez sentir le travail sur votre cuisse. Voilà, continuez doucement. Rentrez le nourrir, serrez les fesses. Continue. Encore un peu.
jambes. Et tu relâches. Parfait. Passez sur le dos. Attrapez vos genoux. Pliez doucement vos bras. Décollez les fesses vers le dos. Et on relâche. On va étirer le dos. Poussez avec vos pieds. Tendez vos bras sur le côté. Soit les paumes de main vers le bas, vers le haut, c'est comme tu veux. Les omoplates bien calées par terre. Pivotez la tête par ici. Inspirez. Engagez vos abdos. Et ramenez les jambes à l'opposé de la tête. Vous soufflez. Doucement. Vous posez d'abord la jambe. Et l'autre, vous la remontez un petit peu. La main sur l'extérieur de la cuisse. Inspire. Et en soufflant, tu ramènes ton genou. La cuisse. Voilà, continue doucement. Soufflez bien. N'oubliez pas les pieds, les jambes, les cuisses détendues. On va étirer le dos. Appuie une dernière fois. Ok, relâche. Ramène la tête. Serre d'abord ton ventre et bascule tes jambes. Soit tu attrapes tes genoux, tu ramènes vers toi, comme ça. Soit tu bascules tes jambes vers l'arrière. Les genoux près du visage, les pieds posés. Enfin, les pieds, c'est comme on peut. Donc vos jambes sont détendues. Et doucement, vous freinez la descente. Vous soufflez. Contrôlez petit à petit, en forçant qu'avec les bras. Voilà, ralenti. Encore un peu. Reprenez votre position. Les bras sur le côté. Les omoplates bien calées par terre. Cette fois-ci, on change de côté. Vous inspirez. La tête à l'opposé et les jambes par ici. Prenez la descente, posez délicatement. Et donc pareil, si ça va, tu peux tendre ta jambe, sinon, jambe pliée. En soufflant, vous allez appuyer avec votre main sur la jambe. En même temps, on pousse avec votre bras. Continuez tranquillement. Détendez bien vos pieds, les jambes, les cuisses. Appuie encore un peu, pousse avec ton bras. Une dernière fois. Parfait, relâche. Pliez. Ramenez d'abord la tête, serrez le ventre, basculez vos jambes. Et comme tout à l'heure, soit tu attrapes tes genoux, tu ramènes doucement les cuisses vers toi. Soit tu bascules tes jambes derrière. Détendez bien vos pieds, les jambes, les cuisses. Attrape tes jambes et ralentis. Prenez la descente. Lentement. Tu ralentis. Doucement, doucement. Et tu relâches. Les mains derrière les cuisses. Inspirez. Faites une bascule. Soufflez. Prenez la fille. Posez vos mains. Et levez les fesses. Vous allez plier vos jambes, vous déroulez doucement votre dos. Tendez les bras. Vous engagez vos abdos, poussez avec vos mains. On va chercher le côté. Et ouais.
Tu ramènes, change. Tu pousses avec tes bras. En haut, les amis. Et tu relâches. Yes. Parfait, les copains. Vous avez bien fait les abdos? Oui. On a réussi à faire le stretch? Oui. Merci à vous, merci Fanny, merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.